Bienvenue pour la sélection Comics de Noël de Comics Initiative. Comics Initiative est un éditeur indépendant qui se bouge et qui a sorti un nombre de titres incroyables en 2021. Et c'est pas fini, puisqu'en 2022, ça va continuer. C'est tout ce qu'on leur souhaite avec des suites, notamment, je pense à Paria et Foxboy, mais également plein de nouveautés. Comics Initiative, qui a un modèle économique qui est tout à fait prudent et qu'on trouve absolument génial. D'abord, ils financent sur Ulule leurs titres et puis ensuite, ils les proposent en distribution et nous avons la chance de pouvoir distribuer leurs titres qui rencontrent un succès grandissant sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue Lacépède. La vie est une question de choix, il faut faire des choix, il y a eu beaucoup de sorties en 2021 et donc l'idée c'est quoi? C'est Noël arrive, Noël c'est dans un mois, Noël c'est l'occasion d'offrir ou de s'offrir des comics, c'est l'heure du choix et c'est l'heure de regarder ce qui est bon et nous allons vous conseiller une nouvelle fois les bons titres de Comics Initiative. On commence avec mon gros coup de cœur de l'année. Le fabuleux Paria que j'ai adoré. Paria, c'est absolument fantastique. D'abord, le style de dessin me plaît tout à fait. C'est vraiment un style que j'adore, entre, on va dire, Umbrella Academy, Gabriel Ba, et puis des gens comme Mike Mignola, voilà, des auteurs absolument géniaux. C'est Boris Beuzelin qui dessine. Le style est absolument sublime. En plus, l'ambiance est steampunk, ce que j'adore. Hein, y a des machines, y a des gros boulons, et y a de la mécanique. C'est présenté comme un comics, et ça suit sur le modèle très classique, mais tellement bien réinventé de l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, d'un personnage un peu obscur qui va recueillir des êtres au pouvoir incroyable et qui va en faire son armée, une sorte d'armée privée de super-héros. Voilà, c'est une origine des super-héros et c'est tout simplement absolument réjouissant et génial. Moi, j'ai adoré le tome 1, vivement le tome 2, il arrive. Et ça, c'est un comics à découvrir ou à redécouvrir. L'autre coup de cœur que j'ai eu cette année chez eux, en fait, j'ai eu beaucoup de coups de cœur et je vous parle de mes coups de cœur parce que j'ai vraiment adoré ces titres-là. C'est Money Shot. Money Shot de Tim Seeley. Tim Seeley, on le connaît parce qu'il a fait du Nightwing. Et c'est un comics très drôle et très sexy sur une équipe de scientifiques qui, pour financer ses recherches et sa conquête spatiale, va non seulement se filmer H24, mais en plus filmer ses ébats, non seulement entre eux, mais aussi avec des races extraterrestres. Donc, nous allons évidemment découvrir des situations à la fois comiques, cocasses et des univers. C'est très drôle, c'est bien pensé et c'est très chouette. C'est pareil, c'est un tome 1 qui en appelle d'autres et on espère évidemment qu'il y en aura plein d'autres parce que c'est vraiment magnifiquement dessiné et c'est une super série. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mon coup de cœur plus jeunesse, mais tellement grand public, c'est Cody. Cody, j'ai adoré cette histoire entre une petite fille et un ours. C'est un graphic novel, c'est une histoire complète, le dos étoilé, édition super soignée. Le dessin est adorable et je pense que vos enfants aimeront ça, mais aussi les grands-enfants. Hein. Moi, j'ai quand même 44 ans, 45 ? Oh, j'ai 45. J'ai 45 ans et j'ai été ému, touché, séduit par cette série signée Jared Cullum. Voilà, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très chouette. C'est plein de tendresse. Le dessin est vraiment très très bien. Je vous recommande ce titre qui, pour le coup, j'adore. Foxboy évidemment est à la fête avec la sortie du tome 2 de Foxboy qui est enfin sorti. Le tome 3 arrivera en 2022. Foxboy tome 2 après le succès du tome 1. Alors nous on avait une couverture spéciale, mais moi la vraie couverture, elle est là. Vous pouvez évidemment la découvrir. Foxboy, c'est tout simplement la série, le French Comics avec le personnage créé par Laurent Lefebvre. C'est absolument génial et je vous invite à le redécouvrir parce que ça n'a que des qualités. Le dessin est flamboyant et les histoires sont absolument géniales et pleines de panache. Fan de vieille, de trésor, j'allais dire de vieillerie, je ne sais pas, c'est complètement péjoratif, vieillerie, non, de trésor, parce que je vous invite à découvrir les strips de Brian Bolland. Alors, ce ne sera pas cette couverture si vous l'achetez chez nous, parce que moi j'ai pris la version Ulule à 320 exemplaires, parce que j'adore Brian Bolland. Hein. Brian Bolland, dessinateur, s'il vous plaît, de The Killing Joke, eh bien vous allez pouvoir découvrir des histoires totalement inédite me concernant, des histoires absolument géniales. Voilà, la couverture que vous avez, vous, ce sera ça. Voilà, et il y avait des petits goodies pour ceux qui l'ont fait sur Ulule, parce que moi, j'ai vraiment craqué là-dessus. C'est beau comme du Brian Bolland, et c'est absolument génial. Un vrai trésor.
de la bande dessinée. On termine avec un ovni, je ne sais pas comment qualifier ce bouquin, qui est absolument, absolument incroyable, ça s'appelle Star Seeds. C'est un voyage graphique, regardez la couverture, Star Seeds, un voyage graphique, un vrai pari éditorial pour nos amis de Comics Initiative, mais moi qui aime les univers et qui aime le comics indépendant et la bande dessinée indépendante et qui suis fan à la fois de Moebius mais aussi de l'imaginaire débordant de gens comme Jack Kirby, eh bien je me suis reconnu dans ce truc absolument génial, souvent sans texte mais tellement brillantissime. Voilà, on a très peu parlé de ce titre, mais je voulais le mettre dans ma sélection de Noël parce que vraiment, alors là c'est très pointu, hein, c'est aussi pointu que le personnage qui est en couverture, mais vous allez adorer Star Seeds. C'est disponible évidemment sur originalcomics.fr, bien entendu. Voilà pour nos sélections de Noël concernant cet éditeur incroyable. Vraiment, il y a des choses formidables, je vous le dis. Cody, Paria ou Money Shot. Voilà, soyez curieux, c'est Noël. Les indépendants ont également des choses à proposer et ont besoin de vous. Le tout est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans les descriptifs de la vidéo. Vraiment, craquez pour les comics des Comics Initiative. Il n'y a que du bon. Salut.